mentalité eux même gè moun tout qui retient des peuples là c'est culturellement l'aime tout culture par la culture c'est-à-dire gè moun depuis levé conception puisque moun a tout dit moi même son vieux pauvre malheureux mais tout levé tout la pleine ils sont vieux pauvres malheureux est-ce que nous là est-ce que vous comprenez ça m'dou là ils sont en famille du famille en pauvre ils tout gè conception ça ils sont famille pauvre gè moun depuis dans quartier côté sorti ouais dans l'esprit parce que famille pas grand pile l'argent dans zone tout ils sont dans famille pauvre ils tout grandir avec mentalité ça même si vous dites à mon cher mon son grand négouille ou même vous espoir vous dites non mon cher côté me sorti ils tout condamné tête li c'est-à-dire émotionnellement socialement mon a condamné tête non question de pauvre pauvreté dans l'esprit li dans mentalité li les pauvres. Et bien, j'en pense à c'est lui-même qui a suivi, c'est lui-même qui a conduit. Et si vous pensez grand, ouap, grand. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Si vous pensez grand, ouap, grand. Conseil de mon Dieu, toujours mesurer penser. Vous toujours pensez à des petits bagages petits. Vous pas jamais pensé à grand. C'est-à-dire, ça, c'est un monde qui est pauvre dans la mentalité. Je vais aller bref pour vous. C'est-à-dire que nous faut que nous pensions grand. Rêver grand bas, grand bagage. C'est-à-dire, c'est pour nous proclamer. C'est ça que tu fais. Non. Proclamation passée à faire nous. Il faut que nous proclamions des grands bagages sous la vie. Nous. Le passé à faire nous déclarer, c'est pour nous déclarer des grands bagages sous la vie. Nous. Si nous voulons pour nous voyager partout le monde, si nous voulons pour nous vivre citizen américain, si nous voulons pour nous gagner résidence, est-ce que nous là? Si nous voulons pour nous riches dans le pays, si nous voulons pour nous gagner machine, pour nous gagner caille, c'est pour nous déclarer ça dans la vie. Nous. Nous voulons pour nous gros businessmen, c'est pour nous déclarer dans la vie. Nous. Faut que vous pensez grand. Faut que vous pensez grand. Alors, nous parlons dans le domaine économique. Alors, dans l'économie, nous voyons que il y a des formations professionnelles, des universitaires, il y a des gens qui ont une grande connaissance. Est-ce que nous sommes avec moi? Amen. Il y a des gens qui ont une grande connaissance. C'est-à-dire l'esprit est très développé, il est riche. Et ça fait me comprendre tout. Jésus t'a parlé pour lui dire heureux les pauvres en esprit. Mais si tu es pauvre en esprit, tu es riche en esprit. Tout. Est-ce que nous l'avons avec lui? Est-ce que l'église est là avec lui? Si tu es pauvre en esprit, tu es riche en esprit. Tout. Mais pauvre en esprit, ça fait. Le pauvre dans l'esprit, c'est-à-dire ces gens ça, même s'ils possèdent toute connaissance, mais connaissance est pour le faire mal. Est-ce que nous lançons avec moi? Des gens qui ont connaissance, c'est pour le piller les gens. Connaissance, c'est pour le faire escroquerie. Est-ce que nous lançons avec moi? Là, ça n'a pas dit malheureux pour riche en esprit. Ça. Est-ce que nous lançons avec moi? Je m'a dit bienheureux pour nous, je m'a dit malheureux pour et riche en esprit ça yo, parce que en Haïti yon conception yon dit les gars qui l'esprit n'est qu'à son intelligent mais esprit là c'est pour le voler et bien malheureux pour riche en esprit ça est-ce qu'on l'a fait parce que le grand esprit va voler est-ce qu'on l'a fait avec moi ça dit puis le monde ça pas de en pile l'esprit mais l'idée qu'on esprit pour le faire bien tant que pour être riche en esprit volé laisse ça Jésus dit et qui ça dit malheureux pour monde qui gagne esprit volé ça yo mais bienheureux pour monde ça yo tout qui pas gagne esprit volé a yo pauvre d'esprit volé mais yo riche d'esprit pour faire ça qui bien est-ce que ça même yo riche en esprit de la sagesse est-ce qu'on ensemble avec moi et ça que fait dans l'église aujourd'hui et bien m'a dit un bagage et bien Salomon pas demander mon Dieu l'argent il va demander mon Dieu bien il va demander mon Dieu pile l'autre bagage qui ça demander mon Dieu la sagesse. Aïe aïe aïe. Est-ce que l'on fait même? Qui s'en demande mon Dieu? La sagesse. Je dis alors où est la sagesse? Où est le monsieur traduit comme philosophe? Est-ce que nous en savons? Philosophe, surtout, l'autre philosophe, l'autre intellectuel, ou c'est ami de la sagesse?
ami de la sagesse. C'est-à-dire, lorsque vous avez une formation, vous êtes un qui est très formé, vous êtes ami de la sagesse. Et dans la conception, ça, où en Haïti, monsieur, vous avez conseillé le conseil des sages, le conseil des sages, qui avez un pile l'esprit. Mais en vérité, si vous avez besoin de monde qui a une sagesse, c'est dans l'église pour vous entrer. Et cela, ça va même. Vous êtes capable que l'esprit, c'est vrai, mais l'esprit, c'est pour vous voler. Et cela, ça va même. Vous avez une connaissance, c'est vrai, mais pour vous faire zéro tourner, tourner neuf. Vous avez une connaissance, c'est vrai, mais pour vous piller pays. Est-ce que ça va même? Et bien, mon Seigneur, il n'y a pas de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez besoin de sagesse, il y a venu dans l'église. Il y a venu prendre des sommes de Dieu. Il y a venu prendre un monde qui a vu avec crainte de Dieu. C'est ça que l'homme est Jésus en don. Ou bien connaissance, ou sont millionnaires en circulation. Est-ce que vous avez avec moi? Est-ce que vous avez avec moi? Ou pas besoin d'écouter les gens qui parlent du ça et que le pauvre en esprit, non? Mais ou même ou risque en esprit de vérité, ou risque en esprit de la sagesse. Et bien, qu'on est son millionnaire en circulation, quel que soit Jean ou Magala, il y a ce que pour parce qu'on a connaissance. Est-ce qu'on va faire ça? Mais ça fait, nous-mêmes étant chrétiens, nous supposons former tête. Nous supposons former tête. Non, non même aspect économique là-tout. Et bien, pour papa, faut qu'on apprenne. Faut qu'on forme tête. Il dit pas que son profession, faut qu'on gagne en main. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi? Et ça fait les Moïse arriver devant la mer. Eh bien, pour Dieu dit qu'il sort de la main, il dit qu'on bâton la main. Il est longé sous la mer. Que mon Dieu dit, ou que doit pas docteur, mais ou qu'on l'autre métier. Est-ce qu'on comprend ça, mon Dieu? Ou qu'on n'en sort à bon Dieu à passer avec vous. Ou qu'on pas qu'à faire. Gros commerce, mais on commence avec outil commerce. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi? N'est-ce pour chasser pauvreté, mais commencer avec un bagaille. Et dans son yé, pour dire passer à, pour dire passer avec vous. Vous avez besoin de connaissance, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Et crainte de Dieu, c'est le commencement même de la sagesse. Et de vous qui crainte pour Dieu, et que toute bagaille a fait. Alors, il n'y a pas gagné encore. On a parlé des commandements. Commandements, c'est ensemble des principes. C'est ensemble des principes qui régissent. Et moi, tu en bagaille. Je dis, en pile monde parmi mes principes. En pile monde parmi mes marchés sous l'autre. Et ça qui a crasé, nous pas qu'à chrétien sans principe. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Et ça que même l'église mal allée, elle n'est qu'un principe. Les gens basent chita. Il dit 8 et 8 et 9 et 9 et. Il dit tout le monde paye la dîme, paye la dîme. Il dit tout le monde mettre la dîme. Parce qu'il faut nous partir sur une base. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Faut que nous ayons principe. Faut que nous respections le commandement. Eh bien, nos principes, c'est-à-dire, même si on fait un business, si on n'a pas de principe, c'est wow, business pour nous marcher bien. Est-ce qu'on l'a fait avec moi? C'est pas parce que parce qu'il a dit faut que nous combattons, mais nous faut que nous faisons business. Et puis, nous faisons business, c'est pas qu'à régler le business ça bien, non? Ni pas qu'on est pour lui, comment pour lui gérer maman l'argent, comment pour lui gérer le bénéfice là, comment pour lui faire profit. Faut qu'on soit capable de gérer tout ça. Yo. Et ça fait un exemple, il y a des entrepreneurs qui ont fait un exemple pour former les gens. Faut qu'on comment faire business. Est-ce qu'on l'a fait même passer? Parce que nous n'avons pas qu'à rentrer dans le bagage sans pas qu'on ça le faire. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi? Parce que pour entrer là-dedans, il faut qu'on ait un principe ou pas qu'on rentre dans le business pour gaspiller tout ça rentré. Non. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi? Ou pas qu'on travaille tout pour pas qu'on budget ou faire pour famille. Est-ce qu'on l'enseigne avec moi? Ou pas qu'on budget, ou pas qu'on combien rentrer, ou pas qu'on combien dépenser. Et ça, quand on bagaille, moi-même, les Jésus fin fait, mon yon grand goût, pendant avec Jésus. Vous voyez, mon yon grand goût. Monsieur dit, mon yon grand goût, il met. Il dit, monsieur, nous va pas manger. Bon, pourquoi ça répond ça, le bail? Il dit, monsieur, nous va pas manger. Et que, monsieur, très sage, tout. Il dit, mais, nous va gagner. Seulement, deux petits pains avec cinq petits poissons, nous sommes là. Il dit, mais portez-le bon moi. Qui ça dit, monsieur? Portez-le bon moi. Si nous regardons dans Jean 6, verset 12, et puis il prie sur eux,
Et puis le casser, il dit, bye, mon Dieu, manger. Vous connaissez la fin de bye, mon Dieu, tout le monde mange, il va plein.